Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du jeudi, pour la guidance du jeudi 11 novembre. J'espère que vous allez bien mes amis et que vous allez profiter de ce jeudi 11 novembre pour prendre soin de vous, vous amuser, prendre du plaisir. Ils font du bien ces jours fériés, hein. En ce moment, ils font du bien. Donc, on va aller voir ce que nous réserve. On y va avec Efflorescence. On va voir ce que nous réserve la guidance du jeudi 11 novembre, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie? La lecture de ce jeudi 11 novembre. Nous avons prendre soin de son énergie. Ah bah voilà. Je vous disais, prenez soin de vous, prenez du plaisir, amusez-vous. Et bah voilà. Prendre soin de moi, c'est aussi prendre soin de mes énergies. Je fais le choix d'avoir une hygiène de vie qui me permet de garder une belle énergie. Lorsque je me sens lourd ou lourde, je prends un temps pour me libérer de ce qui m'entrave. Bon, vous savez qu'on est fait d'énergie, d'accord? Eh bien, parfois, on a des énergies usées, on se sent lourd, on se sent... tiraillé, on se sent nerveux, nerveuse. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on vous demande de prendre soin de son énergie. Prendre soin de son énergie, c'est quoi? C'est faire en sorte que on retrouve une certaine stabilité émotionnelle. Donc, il y a bien sûr les ancrages à faire, mais il y a aussi le fait de se nettoyer. Donc, il y a plusieurs techniques de nettoyage. Ça peut se faire par l'encens, ça peut se faire par des bains de sel, d'accord? Ça peut aussi se faire par des soins énergétiques, hein. Bien évidemment, il y a des thérapeutes, des magnétiseurs, des énergéticiens qui font ce type de nettoyage et qui prennent soin de vos énergies, d'accord? Donc il y a une hygiène de vie aussi énergétique, hein. Donc bien sûr qu'il y a une hygiène de vie corporelle, il y a une hygiène de vie alimentaire, hein, il faut aussi bien se nourrir, mais il y a une hygiène de vie énergétique. D'accord? Donc, faites en sorte de garder une belle énergie. Et puis, dès que vous vous sentez lourd, lourde, et ben, prenez un temps pour libérer ce qui a libéré. Et vous voyez cette jeune fille-là qui s'arrose. Hein, souvent, c'est lié à l'eau, bien évidemment. D'accord? Prendre un bain le soir avant de se coucher, ça libère... on sent qu'on est, voilà, on est délesté de quelque chose qui ne convenait pas avant de prendre son bain, quoi. D'accord? Donc là, on prend soin de ses énergies, on met en place une hygiène de vie si on n'avait pas l'habitude de le faire, d'accord? Tous les thérapeutes, les énergéticiens, les magnétiseurs vous diront qu'il est nécessaire de se purifier avant un soin, après un soin, d'accord? Donc, prenez du temps pour vous. Et pour soigner, pour libérer aussi certaines énergies, notamment karmiques, usées, qui ne servent plus à rien, mais qui collent encore à votre aura, à vos méridiens, d'accord? Voilà, donc c'est aussi nettoyer ses méridiens. Je vous invite à aller voir sur internet comment nettoyer son aura, d'accord? Parce que au contact des autres, on peut choper un peu tout et n'importe quoi. Il suffit de bien délimiter les émotions des autres pour ne pas se laisser envahir non plus par des énergies qui ne sont pas faites pour nous. Hein. D'accord? On y va avec la féminité sacrée. Quel est le message pour tout le monde en ce jeudi 11 novembre 2021? S'il vous plaît. Nous avons le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Il me semble que hier ou avant-hier, j'avais le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, il regarde les choses sous un nouvel angle, sous un angle différent, et il trouve la solution. D'accord? Il a cette ouverture de conscience, il a cette révélation qui fait que, eh bien, il va déclencher un changement. D'accord? Donc là, on vous annonce qu'il y a un changement qui arrive. Au niveau de vos énergies notamment, ou dans votre vie, mais en tout cas il y a quelque chose qui va plus résonner, ou il y a quelque chose qui va résonner, qui va être nouveau pour vous, et on vous demande de regarder la situation sous un autre angle. Alors,
un autre angle irrationnel, hein, pour ceux qui sont en train d'évoluer au niveau du développement personnel et qui font pas mal d'éveil, hein. Et puis sous un angle de matière, sous un angle physique, hein, il y a des choses qui vont changer. Vous allez peut-être déménager, emménager, acheter une maison, vendre une maison. Vous allez peut-être changer de partenaire, vous allez peut-être rompre, vous allez peut-être changer de travail ou vous vous lancer dans un projet. Mais en tout cas, il y a de l'intuition à avoir et on vous demande de regarder les choses différemment. Bon. Eh bien, je crois que ce moment de pause en ce jour férié du 11 novembre va vous aider un petit peu à y voir, hein, à y voir peut-être clair dans une situation. Hein, d'accord ? Allez, on y va. Avec le tarot, on va aller voir ce qu'on nous réserve. Oups. Bon, alors. En ce jeudi 11 novembre 2021, s'il vous plaît, quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo ? Nous avons la reine de bâton. Bon, il y a de l'action, là. Reine de bâton. Nous avons le 7 de pentacle. Donc, on va voir si on recouvre tout ça. La reine de bâton. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle maîtrise. Regardez comment elle est sur son dragon. Hein, sur d'elle. La reine de bâton, c'est la reine de l'action. D'accord ? Elle maîtrise. Elle est féminine. Elle est réceptive. Voilà. C'est la reine de l'action. Elle sait ce qu'elle vaut, d'accord ? Elle sait où elle va, elle passe à l'action. Elle est séduisante, regardez comme elle est séduisante. Elle a quand même une belle robe, hein ? Elle est belle, elle est belle, elle est magnifique. Elle est comme magnétique aussi, hein ? Elle sait se mettre en avant et plier les autres quelque part à ses désirs. Bon, la reine de bâton vous demande de maîtriser vos projets. On vous demande de maîtriser les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre. On vous demande de maîtriser... vos changements. Clairement, vos changements vont être actés. Hein. Là, vous allez acter quelque chose. Hein. On est dans l'action, on est dans le feu. Ensuite, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, donc c'est les deniers, d'accord ? C'est les deniers, c'est la matière, enfin c'est la matière, c'est le matériel, c'est le physique, c'est l'argent, hein, d'accord ? On vous demande, on parle de patience. Vous avez été assez patient. Vous avez été assez patient et le résultat arrive, d'accord ? On vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail, là. D'accord ? Donc, quelque part, il faut avoir un peu de patience encore, d'accord ? Il y a de la patience, le résultat arrive. Donc, ce que vous allez mettre en route ou ce que vous avez mis en route arrive, d'accord ? Et sur le chemin. Voilà ce que vous indique ce 6 de pentacle. Vous avez vu cette femme, cette sorcière qui prend soin de sa vigne, qui récolte son raisin. Voilà, ça arrive. Elle le fait avec patience, elle est sûre d'elle. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà le message. C'est très beau. Très très beau. On va aller voir avec les 77. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo ? Oh non, j'ai plus de lumière ! Oh là là, ces histoires de batterie, hein. Je suis désolée, mais décidément, il va me falloir que je change de matériel. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oups ! Bon, il y a de l'émotion. Bon, je la prends quand même parce qu'elle a sauté cette carte. Je retoucherai, hein. Je suis désolée, je retoucherai la lumière. Donc, on parle de conflits. Oui, il y a beaucoup de conflits, cœur, tête, corps. Il y a peut-être des conflits avec votre entourage aussi, hein, familial, amical, sentimental, dans votre couple. Qui vous procure beaucoup d'émotions. Vous avez beaucoup de tristesse. Tous ces conflits vous chagrinent. Et vous voulez vous en libérer. Vous voulez passer à l'action pour en sortir. C'est douloureux. C'est pénible. La solution arrive. Voilà ce qu'on vous dit. La solution existe. La solution arrive. Regardez les choses sous un autre angle. Et oui, deux fois. D'accord ? Deux fois, on vous dit que la solution existe. La solution arrive. Mais il faut voir les choses différemment. D'accord ? Puis demander peut-être un avis avisé. On parle d'abondance. D'abondance de joie, de paix, d'amour, d'argent. Une abondance bloquée par des choses assez sombres. Hein, peut-être vos côtés un peu... comment on dit ? Vous savez, des agissements un peu trop répétitifs. Des agissements, une manière de communiquer, une manière de penser qui est trop sombre en fait. Hein, d'accord ? Vous allez avoir un déclic.
Et justement, c'est peut-être parce que votre abondance est bloquée, hein, peut-être même abondance financière est bloquée, que vous allez chercher ailleurs, que vous allez essayer de comprendre d'où ça vient. Et là, vous allez avoir un déclic. Le déclic, il arrive vite, là. Il arrive vite, ce déclic, hein. Bah oui, il est question d'estime aussi de soi, l'abondance financière, d'abondance financière, mais d'estime de soi aussi. Ça touche à votre estime, hein, d'accord? Il y a une rupture, hein, il y a une rupture avec l'argent, voilà, il y a des difficultés financières qui touchent un peu à votre estime, là. Mais on vous dit que c'est prévu, c'est dans le timing divin, on procède par étapes, il faut être patient. Ça fait deux fois qu'on vous parle de récolter votre projet, hein. Avec patience, ça arrive, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Les conflits, bien évidemment, qui reviennent. Un retournement de situation, un déclic, un retournement de situation dans un conflit. On vous demande de rester discret. Donc peut-être que vous êtes en rupture, hein, peut-être que vous êtes en rupture professionnelle, d'accord? Et qu'il y a quelque chose qui va tourner à votre avantage, ou alors vous êtes peut-être à la fin de vos droits de chômage, peut-être que vous allez manquer financièrement de quelque chose. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un retournement de situation en votre faveur. Pour un mieux-être, mais on vous demande de rester discret. Rester discret financièrement, d'accord? Parce qu'il y a il y a une transformation en cours. Et oui, écoutez les signes. Écoutez les signes, écoutez les discussions. Il y a des guides, il y a peut-être des guidances aussi qui peuvent vous parler. Il y a des choses pour vous, des messages. On parle de communication pour trouver le repos. Et oui, et on va vous demander de couper définitivement et totalement avec le passé. C'est ça. C'est ça. C'est ça le vent du changement, c'est ça le vent, c'est ça qui va être un déclic pour vous. Quelque chose va faire que vous allez enfin croire en vos rêves, croire en votre projet, hein. Même si c'est long, même si c'est lent, mais c'est pour du stable. On y va avec le sentimental et l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. On y va, on dit des conversations, on parle de conversations de cœur à cœur, on vous parle d'honnêteté. Soyez honnête avec votre partenaire, d'accord? Ayez le courage d'avoir des discussions honnêtes, authentiques, profondes, pour pardonner et apprendre, d'accord? Libérer un passé des conflits pour davantage d'amour entre vous, hein, et pour davantage de relations dans le présent, dans le moment présent, d'accord? Donc soyez honnête, discutez, pardonnez et apprenez de ces discussions. D'accord? On parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profite à la raison. Donc peut-être que suite à ces conversations de cœur à cœur, le fait de pardonner, d'apprendre, hein, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce qui se passe, eh bien ça va peut-être être un moment où vous allez faire un break pour y voir plus clair, un temps pour pouvoir reprendre de l'énergie, reprendre, voilà, reprendre reprendre en paix, en amour de vous aussi, hein, d'accord? On parle de liberté, hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Ok, donc il y a peut-être une pause qui va vous inviter à justement vous occuper de vous, à vous occuper de vos énergies, hein, on vous le disait, hein, prendre soin de ses énergies, c'est peut-être aussi s'éloigner à un moment de certains conflits, hein. Donc ce n'est pas une séparation, ce n'est pas une rupture définitive, mais peut-être qu'il va falloir que vous vous occupiez un petit peu de vous pour reprendre un peu le contrôle sur vos émotions, sur ces états de conflit, de dualité, hein. Surtout, c'est vraiment ça. On va prendre les portes de l'intuition pour la conclusion, s'il vous plaît. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance? Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous, mes amis. D'accord, ne forcez pas la lecture, ne prenez, voilà, ayez du discernement s'il vous plaît. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, tout arrive, tout arrive, tout arrive pour une raison, d'accord? Chaque situation, chaque expérience arrive pour une situation, c'est pour vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous, hein, d'accord? Et bien sûr pour expérimenter la vie, parce que si nous sommes sur Terre, en tant qu'être humain, on est là aussi pour expérimenter la vie d'un être humain sur Terre, hein, d'accord? Et gagner en sagesse et en maturité, bien évidemment. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, regarder les choses sous un autre angle, c'est aussi se faire confiance à son intuition, d'accord? Pour essayer d'avoir une autre vision des choses. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, bah là, ça fait 3-4 fois. D'accord?
Il ne faut pas chercher une réponse avec le mental. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis dans une situation, dans une relation. Et le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Quel est votre but? D'accord? Et puis, suivez ce but. Donnez-vous les moyens de rester aligné sur ce but, sur cette vision, sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Hein. D'accord? On va prendre une carte des anges. On va voir ce que nous disent les gens, les anges. En ce moment, ça m'appelle beaucoup. J'ai tendance à le ranger un peu vite, cet oracle. Donc, je vais me le laisser sous la main. Parce que c'est une période d'ange, là, j'ai bien l'impression. De soutien, en tout cas, céleste, un peu comme ça. Alors, regardez. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Bon, bah voilà, pour les artistes hein, et pour les créateurs de leur vie, pour les créateurs, en tout cas, de projets, on vous dit que vous êtes soutenu par l'archange Gabriel. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous aider dans tous vos projets. Et puis, je vais quand même en prendre une autre parce que celle-ci a sauté toute seule. Et l'ange Gabriel voulait nous faire un coucou, apparemment. On y va. On a le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Et oui, comme je vous le dis souvent, le moment présent. Le présent est un cadeau. Vivre le moment présent comme un cadeau. Ne pas laisser son mental aller vers les conflits du passé, les regrets du passé, les rancœurs du passé, hein, d'accord, les colères aussi du passé, mais vraiment se réaligner sur le moment présent pour vivre les choses en conscience, hein, d'accord. On parlait ces derniers temps de faire des choses en conscience, jouer de la guitare en conscience, cuisiner en conscience, d'accord. Vraiment choisir chaque ingrédient, avec amour, faire les choses avec amour, hein, c'est faire les choses en conscience aussi. Hein. Voilà mes amis, et bien voici ce qui va se passer en tout cas pour certains, certaines d'entre vous ce jeudi 11 novembre. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, hein. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires. J'ai plaisir à vous répondre et je vous le dis encore une fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes à justement entendre des choses, entendre peut-être certaines synchronicités, hein, qui sait. Merci pour cet élan du cœur. Et puis, allez voir mes autres vidéos de guidance astrologique, de guidance temps intemporel. Allez voir la guidance sur l'éveil aussi. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Merci mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et puis voyez les choses sous un nouvel angle. Vous verrez, il y a des solutions à tout. Voilà, merci beaucoup, bye bye.